Bonjour à tous, comme d'habitude, nous allons attendre une petite minute ou peut-être moins avant de commencer. Alors, comme d'habitude, je vais dire bonjour ou bonsoir aux personnes qui sont là. Alors, je vois Vania qui est là, Sundar est là, Rupa est avec nous, Ada est là aussi, Spiritual Weapons est là, Olga Ruiz est avec nous, Iris est là, Omar est là, Bickert est là, Annabelle Nouvelle est là aussi, Hilary Howell est là, Veropol est là, Bombville Lover est là, Yasmine, Shona est avec nous, Namgyal est là aussi, AMR. Je ne sais pas si je dois dire Tafik finalement. et puis, mais je ne sais pas. Tout le monde est là apparemment. Nous allons, si vous voulez bien, commencer. Comme vous le savez, eh bien peut-être, cette semaine, donc les cours sont bien sûr à la même heure. La petite particularité, c'est que eh bien, les cours durent juste 1h10. 70 minutes, c'est l'idée. Et donc, on va commencer maintenant, si vous voulez bien. N'oubliez pas, comme d'habitude, et ce serait très très gentil, d'appuyer sur le bouton « like ». C'est mon petit plaisir personnel. Merci. À vous. Allez, on va commencer. Et nous commençons avec les pronoms compléments d'objet direct. Les pronoms compléments d'objet direct. Alors, Daria avait demandé, je ne sais pas si Daria est là ou elle est en retard ou peut-être qu'elle a autre chose à faire. Mais en tout cas, nous allons faire les pronoms compléments d'objet direct. Regardons ensemble, si vous voulez bien. Et vous allez voir que ça va être assez simple, mais ça va être systématique, hein, comme d'habitude. Regardons ensemble la première chose. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me traduire cette phrase avec, bien sûr, un pronom complément d'objet direct? Allez-y. Alors, nous sommes d'accord qu'ici, eh bien, c'est relativement simple, hein, le sujet, c'est elle. Le pronom complément d'objet direct, eh bien, c'est me, et votre verbe sera regarder au présent, troisième personne du singulier, regarde, Elle me regarde. Nous allons continuer, donc, avec, bien sûr, je vais mettre systématiquement, j'avais oublié, la négation. Souvenez-vous que pour la négation, comme vous voyez sur votre écran, le ne va être avant votre pronom, ensuite vous aurez pronom verbe, me regarde, et finalement la dernière partie de la négation, la deuxième pas. Elle ne me regarde
pas. Nous sommes d'accord. On attaque maintenant avec, eh bien, la deuxième. Le singulier, s'il vous plaît. Donc le you, mais le singulier. Allez-y. Alors, pour le moment, ce que je vois, c'est parfait. Nous sommes d'accord qu'ici, notre pronom pour la deuxième personne sera « te ». Le sujet reste le même, hein, comme ça, c'est assez systématique. « Elle te regarde ». Victoria Jacques qui nous rejoint. Bonjour Victoria Jacques, comment allez-vous ? Donc, « elle te regarde », avec la forme négative également, « elle ne te regarde pas ». C'est la même logique. Négation, après vous mettez votre pronom et votre verbe, et la deuxième partie de la négation. Elle ne te regarde pas. Allez-y pour la troisième personne du singulier, le masculin. Alors, j'attendais un petit peu pour regarder vos réponses. Effectivement, faites bien attention, ici, nous parlons des pronoms compléments d'objet direct. Donc ici, le pronom complément d'objet direct masculin, troisième personne du singulier, c'est « le ». Elle, le regarde. L'erreur classique, c'est de mettre « lui », « non », « non », ça n'est pas lui. Elle, le regarde. Si c'est un homme, si c'est un objet, n'importe quoi, si c'est masculin, ce sera elle, le regarde. Et donc, la forme négative, elle ne le regarde pas. D'accord ? Regardons maintenant pour, eh bien, le féminin. Troisième personne du singulier, féminin, allez-y. Alors, logiquement, effectivement, ce sera « la » pour le féminin, la même logique, c'est-à-dire que le fait que ce soit une personne ou un objet ou un animal n'est absolument pas important, puisque là, c'est un objet grammatical. Donc, « elle la regarde », avec bien sûr la forme négative, la même logique, « elle ne », première partie de la négation, pronom verbe, la regarde, et finalement, deuxième partie de la négation, pas. Elle ne la regarde pas. Ça, normalement, ça n'est pas problématique. On continue avec, eh bien, la première personne du pluriel. Allez-y.
Alors, faites bien attention, puisqu'effectivement ici, hein, c'est elle, nous, mais votre verbe, bon, la majorité d'entre vous l'a bien conjugué, il est toujours conjugué, nous sommes d'accord, à la troisième personne du singulier. Regarde, l'erreur, il y a quelqu'un qui a fait l'erreur, qui a mis « regardons », parce que le « nous » est juste avant. Non, hein, elle, nous, regarde. Ici, le « nous », c'est le pronom complément d'objet direct. Ça n'est pas le pronom personnel. Hein. Nous sommes d'accord. Regardons donc la forme négative. Elle ne nous regarde pas. Donnez-moi, s'il vous plaît, bonjour Mélissa Madrid, donnez-moi, s'il vous plaît, eh bien, la deuxième personne du pluriel, eh bien, la même phrase. Allez-y. Alors là, je regarde, et ben c'est parfait, félicitations, donc nous sommes d'accord qu'ici, ce sera vous, la structure, c'est toujours la même, elle vous regarde, donc là, il n'y a pas de problème, forme négative, même logique, elle ne vous regarde pas, très bien. Bonjour Tina qui nous rejoint, participez s'il vous plaît. Allez, on va attaquer avec le pluriel, alors le pluriel ici, masculin et féminin, c'est la même forme, donc une seule forme, donnez-moi le pluriel, s'il vous plaît, troisième personne du pluriel. Eh bien écoutez, d'après ce que je vois, tout est formidable, je vous dis bravo. Nous sommes d'accord que le pronom pour la troisième personne du pluriel, ce sera les, L-E-S, hein, donc comme l'article, mais ici c'est un pronom, elle, les, regarde. Elle les regarde, forme négative, la même logique, elle ne les regarde pas. Très bien, souvenez-vous, parce que ça c'est souvent une erreur, hein, vraiment le verbe est conjugué en fonction du sujet, mais pas en fonction du pronom qui est juste avant. Ça c'est une erreur qui peut arriver très facilement. Donc le sujet, vous l'identifiez et vous conjuguez le verbe en fonction de ce pronom personnel. Eh bien écoutez, félicitations, on a bien réussi avec les pronoms COD. Là, c'était une structure assez simple, c'était pour se préparer psychologiquement. Voilà, on peut effectivement, logiquement, anticiper l'exercice qui suit, puisque si on a fait les pronoms compléments d'objet direct, eh bien, nous allons faire maintenant les pronoms compléments d'objet indirect. Alors, même façon de procéder, on va être systématique, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Regardez, vous avez une phrase ici, je veux que vous me traduisiez cette phrase avec, bien sûr, un pronom complément d'objet indirect. Allez-y.
Alors, regardons ensemble. Faites attention, Ada. Regardez, vous allez peut-être découvrir la magie des pronoms complément d'objets indirects. Ici, eh bien, vous allez remarquer qu'il y a certaines similarités avec les pronoms complément d'objets directs. Pour la première personne, eh bien, c'est la même forme. C'est la même forme, c'est me. Elle me parle. Donc finalement, il n'y a pas un grand changement, mais en tout cas, c'est ce pronom-là. Donc, elle me parle. Forme négative, bien sûr, c'est la même logique que pour les pronoms compléments d'objet direct. Elle ne me parle pas. Très bien. On continue, s'il vous plaît, avec la deuxième personne du singulier. Eh bien voilà, je vois que Ada a compris la logique, hein, c'est bien, félicitations. Donc ici, nous sommes d'accord que le pronom sera « te ». Elle te parle, forme négative, elle ne te parle pas. C'est relativement simple, normalement il n'y a pas vraiment de problème. Je regarde vos réponses, mais pour le moment, tout le monde répond très 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 bien, félicitations. Allez, on attaque avec la troisième personne du singulier, et on va distinguer les deux parce que, en anglais en tout cas, on distingue les deux. Voyons si en français on distingue les deux. Première chose, masculin, allez-y. Alors effectivement, c'est le pronom « lui ». Nous sommes d'accord que le pronom « lui », ce sera la troisième personne. Donc « elle lui parle », avec bien sûr la même logique pour la négation. « Elle ne lui parle pas ». Ça, en général, ça n'est pas très compliqué. Regardons maintenant ensemble s'il y a une différence ou pas avec la troisième personne du singulier, si c'est féminin. Puisqu'en anglais, vous voyez qu'il y a une différence. On va voir si en français, il y en a une. Alors, effectivement, il n'y a pas, en fait, de différence entre le masculin et le féminin quand on parle de pronoms complément d'objet indirect pour la troisième personne du singulier. Donc, elle, lui, parle, ça va être valable pour le masculin ou pour le féminin. Tout simplement parce que c'est un pronom et le pronom remplace quelque chose qui a été mentionné précédemment. Donc finalement, on sait déjà si c'est masculin ou féminin. On sait déjà que ça remplace quelque chose et que cette chose a déjà été évoquée. Donc elle lui parle, négation c'est la même chose, elle ne lui parle pas. Allez, on attaque avec eh bien, la première personne du pluriel. Allez-y.
Alors, Sundar, I don't know if you got my explanation in French regarding this masculine and feminine for lui. It's because basically it's a pronoun. The pronoun is not arriving from the sky. It's arriving because you don't want to repeat something that was mentioned previously. So basically the concept is that normally the pronoun is replacing something that was already said. So you know exactly if it's masculine or feminine, but you don't want to repeat the whole thing. Alors, dans ce cas ici, eh bien, le pronom, c'est « nous » également. Comme vous voyez, c'est le même pronom que pour le complément d'objet direct. Donc, vous remarquez qu'il y a une proximité quand même très grande entre les pronoms compléments d'objet direct et les pronoms compléments d'objet indirect. La différence, elle est à la troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. Elle nous parle... Et donc, elle ne nous parle pas pour la forme négative. On continue, et là, ça devrait être très très rapide. Deuxième personne du pluriel, je vous attends. Allez-y. Alors, effectivement, hein, on peut aller un petit peu plus vite parce que là, c'est relativement facile. Elle vous parle. Là, encore une fois, hein, donc c'est la même forme que finalement les pronoms compléments d'objet direct. Forme négative, bien évidemment, elle ne vous parle pas. Allez, on termine avec la troisième personne du pluriel. Là aussi, encore une seule forme. Quelle est la troisième personne du pluriel? Allez-y. Alors là, effectivement, hein, nous sommes d'accord que le pronom c'est leur, L-E-U-R, pas de S, hein, c'est vraiment L-E-U-R, elle leur parle. Même chose ici, votre verbe est bien sûr conjugué en fonction du sujet, le sujet c'est elle. Elle leur parle et comme... Je crois Ice Cubes l'a très courageusement mis. Kirill aussi, Véropol ou Tenzin, félicitations. Donc négation, elle ne leur parle pas. Voilà. Là, logiquement, ça n'est pas très très difficile. En tout cas, j'espère que c'est clair pour vous. Merci beaucoup. Alors vous le savez, hein, mon plaisir personnel, c'est d'avoir 100 likes et je crois que ce sera impossible aujourd'hui, mais j'espère secrètement qu'il y en aura 100. Mais là, vous êtes 95, s'il vous plaît, c'est la seule petite chose que je vous demande en contrepartie de ces cours. Voilà, on va continuer si vous voulez bien avec, bien sûr maintenant, nous allons essayer de voir comment ça se passe quand on a le COD et le COI dans la même phrase. Alors en général, en français, et les français en général, font plutôt des structures avec deux pronoms au maximum. C'est rare d'en avoir trois.
parce que c'est un petit peu sportif à faire, mais bon, ça peut arriver, mais en général, quand on parle, quand on s'exprime, souvent on se limite à deux. Hein. Donc là, c'est vraiment un scénario assez classique, COD, COI, on va voir ensemble comment ça se passe. Donc regardez ici la phrase et essayez eh bien, de me traduire ça en français avec bien sûr un pronom COD D et un pronom COI. Souvenez-vous que le it ici en anglais, je voudrais que ce soit féminin, s'il vous plaît. Allez-y, bon courage. Alors, je vous laisse souffrir un peu, mais effectivement, je vois que, bon, pour la majorité d'entre vous, c'est clair. Faites attention. Ici, la structure, ça va être toujours comme ça. Vous avez votre sujet, elle, bien sûr, nous commençons avec le sujet. Ensuite, vous voyez que nous allons avoir notre pronom complément d'objet indirect. Ensuite, notre pronom complément d'objet direct et finalement notre verbe. Elle me la montre. Faites attention, la difficulté, c'est que pour la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel, l'ordre va changer. Mais donc pas tout de suite, parce que pour la prochaine, ce sera le même ordre, c'est-à-dire complément d'objet indirect et ensuite complément d'objet direct. Le complément d'objet direct doit être le plus proche du verbe. Hein, essayez de garder ça en tête finalement. Complément d'objet direct plus près du verbe, complément d'objet indirect plus loin. D'accord ? Elle me la montre. Alors regardez, et là c'est très intéressant puisque pour la négation, nous allons mettre la première partie de la négation avant les deux pronoms, ensuite pronom, pronom, verbe, et finalement la dernière partie. Elle ne me la montre pas. D'accord ? Elle ne me la montre pas. C'est sportif, hein ? Ah, c'est la grammaire en français. La grammaire en français, c'est une sorte de sport cérébral. Allez, on attaque avec la deuxième personne. Allez-y et bon courage. Alors, Cosmina Bellou, qu'est-ce qui se passe ? C'est la même règle, la même règle. J'avais dit, première et deuxième personne, c'est la même. Regardez, toujours le même ordre. Hein. D'abord, complément d'objet indirect, te. Ensuite, complément d'objet direct, la et notre verbe. Donc, le sujet, elle, complément d'objet indirect, te, complément d'objet direct, la. Et ensuite, le verbe montre. Elle te la montre. D'accord ? Même logique pour la négation, c'est-à-dire avant les pronoms et verbes et après le verbe. Elle ne te la montre pas. Elle ne te la montre pas. D'accord ? Alors maintenant, attention. Comme je vous ai dit, pour la troisième personne du singulier, l'ordre va changer.
pour la position des pronoms. On va d'abord mettre le pronom complément d'objet direct et ensuite le pronom complément d'objet indirect. C'est ça la difficulté. Donc maintenant, Cosmina Bellou va être contente parce que maintenant c'est l'ordre qu'elle a essayé de nous imposer depuis le début. Allez-y. Donc ici, troisième personne, singulier. D'accord ? Allez-y. Alors, vous allez probablement me détester, mais je fais mon travail et je vous fais souffrir. Donc, nous sommes d'accord que là, je l'ai mis en bleu, une couleur différente. Je vous ai dit pour la troisième personne du singulier et ce sera la même chose pour la troisième personne du pluriel. Nous changeons l'ordre. Donc, d'abord, complément d'objet direct. Là. Complément d'objet indirect, lui. Et votre verbe. Sujet, elle. Complément d'objet direct, là. Complément d'objet indirect, lui. Et finalement, votre verbe, montre. Pour la négation, on reste dans la même logique, c'est-à-dire avant les pronoms et après le verbe. Elle, ne, là, lui, montre, pas. Juste pour se faire plaisir, est-ce que pour le féminin c'est différent ? Allez-y ! Excusez-moi. Ah ben c'est mon travail, hein. C'est mon travail de vous faire souffrir. Allez-y. Alors, Ice Cube, ce qui veut que je change les couleurs, mais je ne peux pas changer les couleurs de toutes les pages. Je suis désolé. Pour la prochaine fois, dites-moi la couleur que vous ne voyez pas et je ne mettrai pas cette couleur-là. Mais donc là, donc, regardons ici, c'est la même logique, hein, nous sommes d'accord que on est toujours dans la troisième personne du singulier. Donc, nous avons d'abord notre pronom complément d'objet direct, là. Ensuite, notre pronom complément d'objet indirect, lui, et notre verbe, elle, là, lui, montre. D'accord ? Ensuite, négatif, elle, ne, là, lui, montre pas. Alors, attention, nous allons continuer maintenant. Souvenez-vous ce que j'ai dit, nous allons revenir à l'ordre que nous avions au début. L'ordre que nous avions au début, c'était pronom complément d'objet indirect en première position, pronom complément d'objet direct en deuxième position. D'accord ? Alors on y va avec cette phrase. Bon courage ! Thank you.
Eh bien, écoutez, félicitations. C'est ça le côté idéal et le côté très, très, très pratique des exercices systématiques. Bien sûr, ça n'est pas olé olé, ça n'est pas très, très créatif, mais c'est la seule possibilité pour comprendre comment ça marche. Donc, nous sommes d'accord. Ici, nous revenons à notre ordre. C'est au I en premier, c'est au D en deuxième et après le verbe. Elle nous la montre, d'accord ? Logiquement, bien sûr, toujours la même logique avec la négation. Elle ne nous la montre pas, d'accord ? Elle ne nous la montre pas. S'il vous plaît, montrez-moi que vous avez bien compris et ne faites pas de faute pour la deuxième personne du pluriel. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, donc là, on est d'accord, il n'y a pas de problème maintenant. Vous avez bien compris la logique. Donc, elle vous la montre relativement facile maintenant. Attention, donc négation, elle ne vous la montre pas. Donc ça, les personnes qui ont mis l'affirmatif et le négatif, il n'y a pas de problème. Félicitations. Attention, troisième personne du pluriel. Nous inversons à nouveau l'ordre, d'accord ? Faites bien attention, allez-y. Soyez courageux et courageuses. Alors, Alison Clifford nous rejoint. Bonjour, bonjour. Nous faisons de la grammaire. C'est un petit peu sérieux maintenant. Hein. Alors attention, je regarde ce que vous m'avez mis. Souvenez-vous que Annabelle Nouvelle, hein, on remet à l'envers, c'est-à-dire elle, complément d'objet direct, la, complément d'objet indirect, leur. Et le verbe montre. Hein? Souvenez-vous, pour la troisième personne du singulier, pour la troisième personne du pluriel, on va inverser, c'est-à-dire complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Pour les autres personnes, ce sera le contraire. Donc prenez le temps de bien comprendre. Ça, c'est toujours la difficulté quand il y a les deux pronoms simultanément. Donc faites bien attention, notez quelque part, et après, c'est juste de la gymnastique, et il faut vous habituer. Elle la leur montre avec la forme négative, elle ne la leur montre pas. D'accord ? Allez, je vous dis bravo, c'est très très bien. Alors, je vous dis, c'est très, très bien, mais soyons d'accord. Je regarde, je vois qu'il y a 124 personnes et je n'ai que 73 likes. Non, 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 j'en veux plus. Mon plaisir personnel, c'est 100 likes par émission. S'il vous plaît, soyez généreux. Cliquez sur le bouton et je serai un homme heureux.
Alors maintenant, nous allons faire quelque chose qui est assez intéressant. On va voir ensemble, en fait, les principaux verbes qui vont avoir une modification de leur radical pour le conditionnel présent et le futur simple. D'accord ? Je vois que Sushgeimer m'a fait un cadeau. Merci beaucoup. Je vais m'offrir un petit bout de café avec ça. Merci beaucoup. Tout le monde applaudit Sushgeimer. Merci. Allez, on continue. Regardez. Donc, s'il vous plaît, dites-moi quel est le radical du verbe être si nous voulons le conjuguer au conditionnel présent ou au futur simple, puisque c'est le même radical. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, je pense qu'IceCube pose une question par rapport à la négation. Non, faites attention à IceCube. En fait, la négation n'est pas vraiment connectée au sujet, mais plus au verbe. C'est-à-dire, souvenez-vous, IceCube, normalement, la négation « ne », c'est avant le verbe et pas après le verbe. Quand vous avez les pronoms « COD »,« COI » ou les autres, ils vont venir se coller au verbe et la négation sera avant les pronoms et après le verbe. Donc c'est plus par rapport au verbe et les pronoms que par rapport au sujet. Donc là nous sommes d'accord, je regarde les réponses, et effectivement, donc nous sommes d'accord ici que, eh bien, le radical, ça va être sœur, S-E-R. Et je vous ai mis en bonus, youpi youpi, le futur simple, c'est-à-dire les terminaisons A-I, A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T. Les terminaisons du conditionnel présent A-I-S-A-I-S-A-I-T I-O-N-S-I-E-Z-A-I-E-N-T. Donc finalement, vous obtenez « je serai » futur simple. « Je serai »,« tu seras »,« il sera »,« nous serons »,« vous serez »,« ils, elles seront ». D'accord ? Conditionnel présent « je serai », »,« tu serais », »,« il serait, elle serait, nous serions, yon yon yon, ça c'est fondamental, vous seriez, yé yé yé, il, elle serait, A-I-E-N-T. Allez, si tout est clair, donnez-moi le radical, juste le radical du verbe recevoir. Merci. Alors, Romande est en retard, pas de problème, allez-y, attaquez, participez. Nous regardons ensemble, Romande, les radicaux des verbes irréguliers pour le conditionnel présent et le futur simple. Alors, je commence à regarder les réponses qui arrivent. Alors, il y a un petit peu de tout, je dois dire. Mais il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses. Alors, le verbe recevoir, le radical va se transformer en recevre. Donc, R-E-C-E-V-R. Et après, hop, vous allez mettre, comme d'habitude, les terminaisons du futur simple. Je recevrai, tu recevras, il recevra, nous recevrons, vous recevrez, ils recevront. Conditionnel présent, je recevrai, tu recevrais, il recevrait, elle recevrait, nous recevrions, et c'est là la différence entre le futur et le conditionnel, c'est le « i ». Nicolas m'appelle. Je travaille, Nicolas. Vous recevriez,
Il, elle, recevrai-je. Allez, donnez-moi s'il vous plaît le radical d'avoir pour le conditionnel présent et le futur simple. Et je vais demander à Nicolas quel est le problème. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce qu'il voulait. C'est le mystère des jeunes gens. Alors regardez, ici, le radical, c'est A-U-R. Or, et donc toujours les mêmes terminaisons, nous sommes d'accord. Donc souvenez-vous hein, que effectivement, quand vous allez combiner, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, conditionnel présent, j'aurais, tu aurais, elle aurait, nous aurions, vous auriez, elles auraient. Faites bien la liaison. Allez, on continue avec le verbe faire. Victor qui est en retard. Victor, c'est pas grave, c'est pas grave Victor, nous travaillons sur les radicaux qui sont irréguliers et ici nous sommes sur faire. Faites attention avec faire. Oui, ce que je vois, eh ben c'est très très bien, félicitations hein. Le radical de faire sera feur, F-E-R. Je vais juste vous donner allez, on va dire la première personne du pluriel. Nous ferons futur, nous ferions, conditionnel présent. D'accord ? Allez, on continue avec le verbe savoir. Allez-y. Ouais. Faites attention avec savoir. Savoir, souvenez-vous hein, que le radical sera sort. S-A-U-R. Hein. Sort, donc même chose, on va rester sur le nous. Nous saurons. So-so-so-so. Nous saurons. Nous saurions. Ça, ce serait effectivement le conditionnel présent. Donc nous saurons, futur simple, nous saurions, c'est le conditionnel présent. Continuons, youpi youpi, avec courir. Alors, n'hésitez pas à être généreux ou généreuse, puisque comme vous voyez, effectivement, le radical de courir va être avec deux R. Et donc, nous courons, nous courions. Ça, c'est la petite particularité. Steph Chance qui demande « What is courier in English ?» It's an advanced course. I should not use English, Steph Chance. It's to run.
to run, courir, d'accord? So this is courir. Allez, merci beaucoup, Béatrice Christiana vous a offert la traduction avec une petite illustration. Merci beaucoup, c'est très gentil. Allez, mourir, je suis désolé, mais c'est un verbe irrégulier. On ne l'utilise pas souvent, mais il est irrégulier. Alors, Yosiki dit, Vincent, je suis sûr que beaucoup de Français... Attendez, beaucoup de... Ah, j'ai appuyé sur le bouton. Beaucoup de Français ne savent pas, ne connaissent pas les radicaux des verbes parce qu'ils les utilisent sans penser. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, et c'est pour ça que... Vous savez, c'est pour ça que les Français font des fautes d'orthographe quand ils écrivent, parce que ils apprennent le français oralement, comme dans la majorité des langues. Donc, ils connaissent les formes, mais quand il y a des doubles consonnes, deux R ou des choses comme ça, c'est toujours un petit peu compliqué, parce que ils connaissent oralement, mais ils ne savent pas les écrire. Donc oui, vous avez raison, Yossi, tout à fait raison. Alors là, c'est mystérieux, effectivement, puisque le verbe mourir va avoir deux R. On ne meurt qu'une fois, mais on a deux R à mourir. Et c'est comme ça. Donc, mourir, même chose ici. Idéalement, on devrait prononcer le double R pour faire la différence entre « je mourrai », c'est-à-dire le futur ou le conditionnel présent, et « je mourrai », un R, pour le passé simple. Techniquement, les gens ne font pas la différence et en même temps, on l'utilise très, très rarement quand même. Donc, heureusement. Allez, donnez-moi s'il vous plaît le radical pour venir. Alors, quand on parle de venir, effectivement, donc le radical va être viendre, V-I-E-N-D-R, et après, vous mettrez les terminaisons, comme d'habitude. Donc, souvenez-vous que c'est vraiment vient, yin. Hein, souvenez-vous, alors attendez, on va quand même prendre le temps. Même si c'est un niveau avancé, la phonétique, c'est toujours utile. I-E-N, phonétiquement, c'est nasal et donc c'est yin. Viendre, d'accord? Donc je viendrai, tu viendrais, il viendra, il viendrait, nous viendrons, nous viendrions, vous viendrez, vous viendriez, ils viendront, ils viendraient. Allez-y pour devoir, s'il vous plaît. Alors là, nous sommes d'accord, hein, donc là, il n'y a pas de problème, c'est d'œuvre. D'œuvre sera notre radical pour eh bien, le futur simple ou le conditionnel présent. Attendez, je clique sur Fiona, je ne sais pas pourquoi Fiona, on vous bloque. C'est un vrai jeu intéressant. Je clique. Allez, d'œuvre sera notre radical, donc pour devoir au futur simple et au conditionnel présent. Donnez-moi pleuvoir, s'il vous plaît. Thank you.
Alors, pour pleuvoir, eh bien, j'ai fait une petite modification parce que j'ai vu que je n'avais pas tout fait. Je ne sais pas si c'est clair, mais le verbe pleuvoir, est-ce que je devrais plutôt, attendez, faire comme ça. Je vais changer la couleur, ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde. C'est un verbe qui est un verbe impersonnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne conjugue pas, eh bien, ce verbe à toutes les personnes, puisque c'est un verbe impersonnel. Souvenez-vous que les verbes, voilà, les verbes impersonnels sont uniquement conjugués à la troisième personne du singulier. Donc, il pleuvra ou il pleuvrait. Bien sûr, ça n'est pas possible de le conjuguer pour je, tu, il, nous, pardon, je, tu, nous, vous. Allez, nous continuons avec voir. Soyez courageux, c'est bientôt la fin. Quel est le radical du verbe voir? Alors, pardon, pour le verbe voir, eh bien, il faut être généreux. Encore une fois, mettez-moi deux R et. C'est la raison pour laquelle, attendez, je vais vous le mettre comme ça, c'est la raison pour laquelle phonétiquement, votre E ne sera pas prononcé comme un E, mais vraiment comme un je verrai. Je verrai, tu verras, il verra, elle verra, nous verrons, vous verrez, ils verront, elles verront. Conditionnel, c'est la même chose. Je verrai, tu verrais, il, elle verrait, nous verrions, vous verriez, il, elle verrait. N'oubliez pas de bien prononcer le E d'une façon très 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 ouverte et très généreuse. Allez, donnez-moi s'il vous plaît, eh bien le verbe envoyer. Quel est le radical au futur simple et au conditionnel présent, eh bien du verbe envoyer? Alors, je vois que Omar est là. Omar est là. Omar est toujours dans les premiers. Il est extrêmement efficace et toujours très précis. Bravo Omar, puisque vous nous avez donné effectivement le bon radical. Le radical, c'est envers, avec la même logique. Ben, je vais vous le mettre quand même très rapidement, mais je ne donnerai pas toutes les formes parce qu'après on répète. Et puis on a envie d'avancer. Donc c'est envers, hein, c'est la même logique, enverrait, etc., etc. Apparemment tout le monde est d'accord. Et ben c'est tant mieux. Allez, donnez-moi s'il vous plaît le radical du verbe pouvoir pour, nous sommes d'accord, le futur simple et le conditionnel présent. Ah, je ne sais pas si vous entendez, mais Nicolas, il fait des petits cris. Il est en train de jouer avec ses amis et il est très joyeux et ça fait plaisir. Alors, le radical pour pouvoir, eh bien, c'est pour. P-O-U-R-R, je pourrais, tu pourrais, il pourrait, elle pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il, elle pourrait, pour le conditionnel présent. Allez, donnez-moi vouloir, s'il vous plaît.
Alors, je regarde vos réponses et je dis bravo. Je dis bravo puisqu'effectivement, le radical sera voudre, V-O-U-D-R. Et ça, c'est vraiment très très important, spécialement pour le conditionnel présent. Parce que vous savez que c'est la forme de politesse pour demander quelque chose. Et c'est vraiment, vraiment fondamental. Souvenez-vous, vous n'allez pas dire « je veux quelque chose » quand vous êtes dans un magasin. Si vous êtes dans un café, dans un restaurant, jamais « je veux », c'est trop brutal. Soyons polis. Donc on va utiliser le conditionnel présent. « Je voudrais ». Tu voudrais, il, elle voudrait, nous voudrions, souvenez-vous, nous voudrions, vous voudriez, il, elle voudrait. C'est vraiment un verbe, il faut le connaître absolument au conditionnel présent si vous voulez être, vous demander des choses d'une façon correcte et d'une façon polie, juste pour éviter les situations un petit peu embarrassante. Allez, merci beaucoup. N'oubliez pas qu'il me manque juste 4 likes. Juste 4 likes. Il me manque 4 likes pour arriver à 100. Et vous le savez, c'est mon petit plaisir personnel. S'il vous plaît, cliquez sur like et faites-moi plaisir. Merci beaucoup. Alors, je vous dis presque merci, nous étions à 100, nous redescendons, je ne sais pas, c'est mystérieux. Alors, on va continuer avec le complément de l'adjectif. Ça, c'est assez intéressant, je pense que, en tout cas, ça devrait vous intéresser. Le complément de l'adjectif, un adjectif avec une préposition, et la préposition sera « à » et un verbe à l'infinitif. Allez, regardons. Donc, bien sûr, l'idée sera d'avoir cet adjectif, d'avoir la préposition « à » et d'avoir un infinitif. C'est une construction très, très fréquente en français. C'est vraiment très fréquent. Vous allez voir de quoi je parle dans une petite seconde. Allez, j'espère que ça n'est pas trop petit, mais en tout cas, l'expression, ou en tout cas la technique ici, c'est « easy to do ». Comment est-ce que vous pourriez traduire « easy to do » en français? Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Mohamed pose une question intéressante. Est-ce que les Français savent ou connaissent toutes les conjugaisons des verbes? Vous savez, Mohamed, c'est intéressant parce que souvent les Français connaissent les formes des verbes parce qu'on les a appris oralement en général et à l'école, on les a appris. On a appris ces formes-là finalement d'une façon assez systématique. Mais ils vont pouvoir les produire, mais si vous leur posez la question quel est le subjonctif passé de ce verbe-là, souvent c'est un petit peu stressant, ils n'arrivent pas à l'associer, mais ils pourront l'utiliser naturellement. Vous voyez, c'est souvent ça qui est assez intéressant avec les Français. Bien sûr, ils peuvent les utiliser, ils savent les utiliser. Pour le subjonctif, en général, il n'y aura pas de problème, ou pour les autres temps. Mais l'idée d'associer ça à un temps spécifique, ça, c'est une autre histoire. Et c'est souvent la différence entre vous l'apprenez d'une façon complètement différente.
les Français l'ont appris principalement oralement dans un premier temps. Alors ici, effectivement, c'était donc facile à faire. Facile à faire, c'était ce que nous cherchions. Maintenant, la deuxième chose, difficult to announce. Comment est-ce que vous pourriez, eh bien, finalement, traduire ça en français? Allez-y. Alors c'est effectivement difficile à annoncer. Alors peut-être que c'est trop petit, je ne sais pas exactement ce que vous utilisez. Comme si c'est une tablette ou un téléphone. Si c'est un téléphone, clairement ça doit être très très petit. Et j'ai beaucoup de compassion pour vous. Mais en tout cas, je suis désolé. Allez, le prochain, simple to construct. Hein, c'est pour ça que je vais vous les donner. Simple to construct, comment est-ce que ça pourrait être en français? Alors ici, effectivement, souvenez-vous que l'adjectif, eh bien l'adjectif c'est simple, le verbe, alors c'est construire, Omar a proposé bâtir, pas de problème, hein, pas de problème, on l'a vu, c'est un synonyme et je dis bravo parce que Omar, il a une très très bonne mémoire. Donc simple à bâtir, simple à construire, les deux sont très bien. L'idée, hein, l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'adjectif et la préposition à. Hein, c'est ce qu'on fait depuis le début. Hein, facile à faire, difficile à annoncer, simple à construire. Allez, hop là, on attaque avec le prochain. Et le prochain, c'est funny to watch. Allez-y, funny to watch, comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français? Alors, je dis bravo. Je vois que Victoria Jacques, elle est en forme. Hein. Elle est très, très en forme. Même si peut-être, et j'espère qu'elle a été dans les rues pour célébrer quand même les bonnes nouvelles. En tout cas, donc, plusieurs possibilités. Moi, j'ai mis amusant à regarder. Justement, Victoria Jacques avait mis drôle à regarder. Je l'accepte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, pas ridicule, hein, Yossi. Hein, vraiment, c'est un côté positif plutôt. Hein. Donc, amusant, drôle. Oui, c'était les deux options que vous m'offrez. Donc, il n'y a pas de problème. Drôle à regarder, amusant à regarder. On est d'accord, hein, Victoria Jacques. Oui. Allez, donnez-moi, s'il vous plaît, la dernière chose. Sad to listen. Allez-y.
Alors, regardons ensemble. Vous êtes très très efficace et ça c'est bien. Donc effectivement, notre adjectif c'est triste. Triste, on l'écrit eh bien, d'une façon assez simple. Faites attention Reza, triste, masculin ou féminin, on va l'écrire T-R-I-S-T-E. Hein, vous savez, ce sera la même forme si c'est au masculin ou si c'est au féminin. Triste à écouter. Je ne sais pas si c'est exactement comme la musique que vous entendez. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Donc facile à faire, difficile à annoncer, simple à construire, amusant à regarder et triste à écouter. Alors comme nous sommes des personnes très très courageuses, regardez maintenant, est-ce que vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en tout cas, la phrase. Donc là maintenant, on va reprendre les structures que nous avons eues. Mais nous allons essayer de faire des phrases avec « an easy job to do ». An easy job to do, comment est-ce que vous pouvez traduire an easy job to do en français? Allez-y, s'il vous plaît. Alors, nous sommes d'accord. J'espère que vous voyez bien. C'est toujours ça le problème après, en fonction de tous les supports que vous utilisez. Donc, an easy job to do, on utiliserait un travail et ensuite, on continue avec la structure qu'on a eue. Donc, on commence avec un substantif, un travail, notre adjectif facile et après notre structure à faire. Un travail facile à faire. Allez, donnez-moi la prochaine chose. Et la prochaine chose, eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est an information difficult to announce. Je vais essayer de les mettre en noir, mais c'est toujours un petit peu sportif. An information difficult to announce. S'il vous plaît, donnez-moi, eh bien, la version française. Allez-y. Alors, excusez-moi pour le petit retard, mais effectivement, une information difficile à annoncer. C'était très très bien, j'ai essayé de tout mettre en noir. Donc, une information difficile à annoncer, c'est parfait. La prochaine chose, a simple house to build. Donc, on reprend les mêmes structures que nous avions, mais on les combine maintenant avec un substantif, bien évidemment. A simple house to build, allez-y, s'il vous plaît. Alors, Ada qui souffre. Non, je suis désolé, Ada. Je ne savais pas exactement si je devais me concentrer sur des gens qui principalement utilisent des téléphones, des tablettes ou un ordinateur. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça, ça arrive. Je vais m'adapter progressivement à vos supports. Thank you.
Alors, c'est effectivement une maison simple à construire. Nous allons continuer et finir cet exercice, même si notre temps... Mais oui, les 70 minutes sont passées, mesdames et messieurs, mais nous sommes professionnels, nous voulons finir les choses. A fun movie to watch, comment est-ce que vous pourriez me traduire ça avec la même structure, substantif, adjectif, préposition à et votre verbe, allez-y. Alors, je suis en train de regarder. Faites attention. Donc, effectivement, j'en accepte plusieurs. Amusant, je l'accepte. Quelqu'un veut mettre marrant, pas de problème. Marrant, on avait drôle aussi. Je ne sais pas si vous vouliez l'utiliser. Mais en tout cas, les trois, je les accepte. Donc, un film amusant à regarder. Un film drôle à regarder. Un film marrant à regarder. Tout ça, c'est tout à fait correct. Pas de problème. Souvenez-vous que la construction, hein, c'est substantif. Ensuite, vous mettez votre adjectif, vous mettez votre préposition à et votre verbe à l'infinitif. Le dernier, a sad story to listen to. A sad story to listen to. Comment est-ce que vous pourriez me traduire ça, s'il vous plaît ? Alors faites bien attention pour le positionnement des adjectifs, puisqu'ici, comme vous remarquerez, les adjectifs sont toujours après le substantif. Donc une histoire triste qui arrive après, à écouter, une histoire triste à écouter. Je regarde, globalement tout était bien, donc je vous dis effectivement, eh bien félicitations, c'était une histoire, attention c'est féminin, triste à écouter. Souvenez-vous que cette semaine, eh bien, c'est toujours à la même heure. Vous trouvez votre zone ici, ou si vous regardez en bas, vous voyez un petit peu plus d'options. Demain, nous allons redémarrer avec le niveau débutant. Donc beginner, donc ce sera en anglais et un petit peu en français. Je vous souhaite une très très bonne journée, matinée, après-midi ou nuit et je vous dis au revoir et à demain. Seistyksin yksin parvekkeen kaiteella. Alla maailma, jonne et tahdo palata. Suurin ongelma on, ettei ole ongelmaa. Tarpeeksi soha, joka allen sinut musertaa. Sen reunan ja asetut roikkumaan niin, et ainoa mitä tehdä pitää on pitää kiinni.
juttu, en koita ratkaista mitään. Hengitä ulos ja hengitä uudestaan sisään. Ne yli sen reunan ja asetut roikkumaan niin. Et ainoa mitä tehdä pitää, on pitää kiinni.